Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Donc comme vous pouvez le voir, oui mon mannequin n'a pas de tête. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est le snood qu'il y a autour de son cou. Tout simplement. Donc je vous le montre bien dans les détails. Et je vais vous montrer tout ça en tutoriel. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Donc, je m'installe et je reviens de suite. Donc voilà, me voilà installé. C'est plus pratique que debout. Alors là, vous pouvez bien, bien, bien le voir. Les formes qu'il a. Comment il est fait. J'ai rajouté une petite perle ici pour pouvoir serrer au niveau du cou. Euh, tout dépend de ce que l'on veut, en fait. Tout dépend de ce que l'on veut. Si on veut que ce soit serré, lâche, euh, voilà. Ça, c'est optionnel. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Mais si vous en avez une, ça serait... Voilà. J'ai fait un petit lien supplémentaire que j'ai inséré à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers de toutes les mailles qui sont ici. Enfin, de tous les espaces plutôt. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Donc, c'est un multiple de 5. Vous faites le tour de votre cou, de vos épaules, peu importe, c'est vous qui allez choisir, qui allez décider. Il faut juste que ce soit un multiple de 5. Alors, on va commencer. Donc, je vais faire un nœud coulant. Je vais prendre un petit... Une petite... Euh, pour vous marquer... Pour les... Euh, Enfin, les personnes qui ne comprennent pas le français, donc ça c'est universel. Donc, on va faire multiple de 5 pour ce point là, pour cette façon là de crocheter. Ça, c'est si on crochète en rond, si on crochète droit en aller-retour, ça sera un multiple de 5 plus 2 et nous ce qui nous intéresse c'est ce point là donc c'est parti je vais vous montrer tout ça alors on va faire une maille chaînette qui soit multiple de 5 donc moi pour l'exemple en bas voilà je vais faire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je vais faire 25 pour l'échantillon. Ça va être un tout petit échantillon. Bien sûr, là, j'ai fait beaucoup plus. Comme vous avez pu voir sur, dans, au début de la vidéo, j'ai fait beaucoup plus de mailles. Mais toujours un multiple de 5. On va rentrer dans la première. Et on va unir avec une maille coulée. Comme ceci. Ici même, on va venir faire trois mailles en l'air équivalent à notre première bride. Plus trois mailles de séparation. Et au même endroit, je fais une bride. Ça va nous créer un petit espace. Comme ceci. Voilà ce que ça nous crée. Une maille de séparation. On va venir sauter trois mailles. Quatre mailles, pardon. Un, deux, trois, quatre. Dans la cinquième, on recommence. Exactement la même chose. Une bride. Trois mailles en l'air de séparation. Et au même endroit, une seconde bride. On vient de recréer un deuxième espace. On va faire ça tout le long. Je saute. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je fais la même chose. Une bride. Ah, je l'ai mal prise. 1, 2, 3, 4. Voilà. Dans la cinquième, une bride. 3 mailles de séparation au même endroit, une seconde bride. Vous allez voir, on va alterner les rangs. à chaque fois, ça va être un alternement. Ça sera toujours pareil. Une maille de séparation. Je saute 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une bride. 3 mailles. De séparation et au même endroit de nouveau une bride, une maille de séparation. Je saute quatre mailles 1, 2, 3, 4 dans la cinquième, une bride, trois mailles de séparation et au même endroit une seconde bride. On n'oublie pas la maille de séparation entre chaque espace. Et là, on saute toutes les mailles qui sont ici, il en reste 4 forcément, et on va venir sur la troisième ici, la maille en l'air, on va venir faire une maille coulée. Comme ceci. Ça, c'est le premier tour. Le deuxième tour, on va glisser dans l'espace que nous avons juste ici en faisant une maille coulée. Trois mailles en l'air, équivalent à notre première bride. Et au même endroit, nous allons ajouter 6 brides supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au total, avec les 3 mailles en l'air, ça nous fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je passe à l'espace suivant. Sans faire de mailles de séparation, rien du tout. Je fais un jeté sur mon crochet et je recommence la même chose. Je viens faire 7 brides dans cet espace. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 espace suivant la même chose on va on va répéter exactement le même procédé jusqu'à la fin donc 2 3 4 la cinquième la sixième la septième espace suivant de nouveau 7 brides à l'intérieur 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est répétitif. Tout le rang, de la même fa... On le fait de la même façon. Dernier espace 7 brides. 1, 2, 3, 4. 4 5 6 et 7 on va venir unir sur la troisième maille en l'air du départ par une maille coulée donc ça c'est le tour numéro 2 pour le tour numéro 3 on va venir glisser en maille coulée jusque sur la quatrième bride donc là nous sommes sur la première Maille coulée sur la deuxième, maille coulée sur la troisième et maille coulée sur la quatrième. Nous sommes au milieu. Nous avons trois brides d'un côté, trois brides de l'autre et nous sommes sur la quatrième. Ici même, on va venir faire trois mailles en l'air équivalent à notre bride, trois mailles de séparation et au même endroit une bride pour recréer un espace une maille de séparation. Là, on va se positionner directement sur la quatrième bride qui est là. Alors, 1, 2, 3, 4, ici même, au milieu, en faisant une bride, 3 mailles de séparation, une seconde bride au même endroit. Comme ceci. Vous voyez, nous avons trois brides d'un côté, trois brides de l'autre. Nous sommes sur la quatrième pour que ce soit vraiment centré. Une maille de séparation. Je vous remontre. 1, 2, 3, 4. Sur la quatrième, on entre à l'intérieur, on fait une bride, trois mailles de séparation et au même endroit une deuxième bride. On en a besoin pour créer nos espaces. Une maille de séparation on fait exactement pareil sur toutes les sur tout le tour 1 2 3 4 toujours sur la quatrième bride au rang précédent on avait fait sept brides dans les arceaux pour ce rang ci on fait toujours nos petits espaces sur la quatrième on n'oublie pas la maille de séparation c'est reparti 1 2 3 4 vous allez voir, c'est un point qui monte très très vite. Alors vous pouvez faire énormément de choses avec ce point. Vous n'êtes pas obligé de faire un snood. Vous pouvez faire des écharpes, des pulls, enfin vraiment tout ce que vous voulez, des mitaines. C'est vraiment vous qui allez décider. Donc là, j'ai fait mon dernier espace, ma maille de séparation, et je vais venir unir sur la troisième ici par une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va recommencer le tour numéro 2, donc on va alterner tour numéro 2, tour numéro 3. Donc, pour le tour numéro 2, on va se glisser dans l'espace ici même, commencer par trois mailles en l'air équivalent à notre première bride, et on va ajouter six brides supplémentaires. Ça nous fera un total de sept brides. Donc, vous avez compris que ce point, ce motif. Se passe en deux étapes. C'est deux rangs que l'on alterne à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une. La septième. Quand on fait les sept brides, on fait pas de maille de séparation. Quand on fait les espaces, les V, on fait une maille de séparation entre chaque espace créé. Mais quand on fait nos sept brides, il n'y a aucune maille de séparation. On accède directement à l'autre espace. En faisant également cette bride 3, 4, 5, 6, la septième. On va répéter ça tout le long et après on alternera rang 2, rang 3, rang 2, rang 3, rang 2, rang 3. Donc je pense que vous avez compris le principe du point, il est vraiment pas compliqué. Une fois que vous avez votre hauteur souhaitée, vous faites comme moi des mailles chaînettes. Là j'en ai fait 100, que j'ai introduit comme je vous expliquais un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Je suis rentrée, ressortie, rentrée, ressortie. J'ai fait tout le tour et je les ai nouées ici même avec une perle de façon à pouvoir serrer le haut du snood. Pour qu'il soit bien serré, vous avez vu comme sur le mannequin, pour qu'il soit bien serré au niveau du cou pour celles ou ceux qui aiment. Ce n'est pas une obligation. Moi j'avais envie de mettre une petite perle. Donc voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, vous avez compris. Le tour, le motif se passe en deux étapes. Le rang 2, le rang 3. Le rang 2, le rang 3, le rang 2, le rang 3. On se pose pas de questions, c'est très très simple à faire. Donc voilà ce que ça va vous donner. Au final, vous pouvez alterner les couleurs entre chaque rang, faire deux rangs de la même couleur, deux rangs d'une couleur euh, différente. C'est vous qui allez décider. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, moi je vous souhaite un bon crochet et euh, je vous dis à bientôt. J'essaye de faire au mieux parce que je viens de rentrer en formation euh, dans le médico-social. Reconversion professionnelle totale. Donc euh, je passe beaucoup beaucoup de temps sur mes cours. Donc voilà, en attendant, je serai toujours là pour répondre à vos questions si vous en avez et à vos commentaires qui me font très très plaisir. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au prochain tuto. Salut, salut